Nous allons revoir les lettres T et D, et plus particulièrement leur écriture en script, ainsi que les sons que ces deux lettres produisent. La lettre T, tout d'abord, regarde-la, elle est écrite ici en script, et tu retrouves le personnage qui montre le geste du son de cette lettre, le son T. Pose la main sur ton cou et prononce avec moi. T. T. Cette lettre n'est pratiquement pas sonore. Les cordes vocales vibrent à peine. On entend le son T dans toupie, tapis, trésor par exemple. Observons maintenant la lettre D. Regarde aussi le geste du son de cette lettre qui se dit D. Pose à nouveau la main sur ton cou et redis avec moi D. D. Cette fois-ci, tes cordes vocales vibrent. Cette lettre est sonore puisqu'elle fait vibrer les cordes vocales. C'est la grosse différence entre ces deux lettres. On entend le son de dans dé, dans dauphin ou dans domino par exemple. Je vais maintenant te proposer 8 mots. À toi de préparer ton ardoise, comme sur le modèle, et dès que tu es prêt, remets la vidéo en route. Je te propose donc 8 mots. Lorsque tu entends T, tu écriras T, comme dans toupie. Lorsque tu entendras D, tu écriras D, comme dans domino. Tous. Quand quelqu'un tousse. Numéro 2. Vide. Par exemple, une boîte qui est vide. Numéro 3. Douce. Par exemple, des mains qui sont douces. Numéro 4. Vite. Quand on se dépêche. Vite. Numéro 5. Dos. Le dos sur le corps humain. Numéro 6. Temps. Par exemple, le temps qu'il fait, la météo. Numéro 7, dents, comme les dents qu'on a dans sa bouche. Et numéro 8, tôt, par exemple quand on se lève tôt, de bonne heure. Nous passons à la correction. Je te laisse observer la correction et la comparer avec ton travail. Pour tracer la lettre T, tu pars de la ligne d'écriture, tu montes jusqu'au deuxième interligne, puis tu redescends sur ton trait. Tu termines par une petite canne à l'envers et lorsque tu lèves le crayon, tu peux tracer la barre au T. Pour tracer la lettre D, tu commences par poser ton crayon sur le deuxième interligne, tu tournes comme un A, un rond, tu remontes,
au deuxième interligne, puis tu redescends sur le trait et tu termines par une petite canne. Nous passons maintenant au jeu du détective. Attention, une petite consigne supplémentaire vient s'ajouter à ce jeu. Il y aura deux lignes. Sur la première ligne, tu devras retrouver toutes les lettres T, comme dans tapis. Sur la deuxième ligne, tu devras retrouver toutes les lettres D, comme dans domino. Est-ce que tu es prêt? J'enlève le cache et je démarre le compteur. Passe à la correction. Première ligne, toutes ces lettres-là, nous cherchons uniquement la lettre T. Il fallait retenir le numéro 1. Le 2, c'est la lettre F, donc je le barre. Numéro 3, je garde. Numéro 4, je garde aussi, c'est la lettre T. Numéro 5, je barre à nouveau, c'est la lettre F. Sur la deuxième ligne, tu devais chercher les lettres D. Il fallait garder le numéro 6, barrer le numéro 7, qui est en fait la lettre B, garder le numéro 8, barrer le numéro 9, qui était la lettre P, et garder le numéro 10. Le nombre secret d'aujourd'hui était donc composé des chiffres suivants. Le 1, le 3, le 4, le 6, le 8 et le 10. Un très grand nombre aujourd'hui. Est-ce que tu auras réussi à le lire? On commence par lire le 1. Et comme ce nombre a 7 chiffres, on va lire 1 million. Ensuite, on arrive à la classe des 1000. Donc 1 million. 346 000. Et enfin, les trois derniers chiffres, 810. 1 346 810. Pour terminer, je vais te demander de lire ces mots, puis nous allons les associer aux images correspondantes. Je te laisse un petit temps pour lire les mots déjà dans ta tête. On y va ensemble. Premier mot, qui est normalement facile, un D. Le deuxième mot, un radeau, avec le son O qui s'écrit E-A-U. Troisième mot, il s'agit du mot toit, le toit de la maison. Quatrième mot, les doigts de la main. Avant-dernier mot, un thé, la boisson chaude. Et enfin,
Il s'agissait d'un râteau.